Ça va, Kim? Tu trembles? It's weird. I don't know why, but I'm so nervous. Tout va bien se passer, là. Pense-y. On risque pas grand-chose. Au pire, on sort d'ici aussi pauvre qu'on est entré. Y a pas de quoi être nerveux, là. Justement, Kim, parle-moi donc un peu de ta grande-tante. Je pense que ça pourrait peut-être te faire du bien, ça. D'après toi, qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir à léguer, ta grande-tante? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien vouloir te léguer à toi? Je veux pas t'énerver plus encore avec ça, là, mais je me dis juste que ça peut peut-être aider d'en parler. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que ta grande-tante avait de l'argent? Est-ce qu'elle avait des biens personnels? Regarde-moi pas comme ça, là. Je me dis juste que si t'en parles, ça peut peut-être aider à la nervosité à disparaître. Puis qui sait, peut-être qu'on pourra rénover le sous-sol plus vite que prévu. J'ai comme l'impression que c'est surtout le montant d'argent qui t'intéresse. Tu sais ce qui aidera la nervosité à disparaître? Que tu ailles voir ailleurs pour me chercher un verre d'eau. OK, mais tu sais que tu prends ça tout de travers, moi j'essaie juste d'aider. OK. Water on the way. Excusez-moi, la cruche. Pardon? Non, la cruche est. Madame Kim Foster dans de l'eau. Laissez faire, c'est à notre tour, de toute façon. Assoyez-vous, je vous prie. Vous allez bien? Nerveuse. Elle est très, très nerveuse. Le jeu était vide. J'aimerais procéder, si vous permettez. Désolé, Monsieur Rivet. Ah, vous pouvez commencer. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous assurer de l'entière confidentialité de cette rencontre. La présente étant le fruit d'une demande faite à mon collègue, le notaire Sylvain Lavallée de Waterloo, par votre grande-tante, Madame Martha Ann Foster. Ce transfert de documents me permet de vous transmettre ces informations sans vous mettre dans l'obligation de vous rendre à Waterloo pour la lecture du dit document. Merci, Monsieur le notaire, parce qu'on n'avait pas trouvé Waterloo sur la carte. S'il vous plaît, continuez. D'accord. Procédons à la lecture du document.